Égayé par une troupe de danseurs, le marché bat son plein sous le soleil des hauts plateaux de Madagascar. C'est le prélude au papango, la fameuse danse de l'oiseau Milan. L'esprit de l'oiseau pénètre le corps du danseur. Les femmes participent à ces transes. Ébloui par le soleil, il cherche son but. Les mains tremblent comme des ailes. Suspendu dans l'azur, il va fondre sur sa proie devant les yeux critiques des bateaux, tous des experts. Pousse-pousse et chariot à bœuf circule. Une roue de secours arrive. Beaucoup de paysans campent à l'extérieur de la ville. Aujourd'hui, des cars aux noms aguichants sillonnent le pays. Ce sont les amusants taxi-brousses malgaches, vaillants et bondés. Beaucoup de gorées. La roue de secours est arrivée. Le vétérinaire fait attraper ce porc. L'acheteur veut être sûr qu'il ne soit pas ladre. L'examen ne va pas sans furieuse protestation de la bête. Mais l'examen de la langue est indispensable. Tout va bien, marché conclu. La canne à sucre est vendue pour son jus, en petits morceaux. Un malgache achète son sphère, c'est la coutume. Les robes sont cousues sur place et les parapluies réparés sur l'heure. Quantité de petites lampes éclaireront les cases de brousse. Un beau genou noir vaut bien une ardoise. Eux se reposent. Chargé des achats par sa communauté, l'alerte bonne sœur se mêle à la foule. Les acheteuses sont de toutes races et de toutes conditions. Une ménagère européenne, une ménagère malgache d'origine africaine, deux hindous, une métisse. Ici, aucun préjugé racial. Un barbu français. Une nonne noire achète des arômes blancs pour la chapelle. Le marché de Tananarive déploie ses parasols blancs dans le bas de la ville, dont les escarpements sont dominés à gauche par le palais des anciennes reines et à droite par le palais de l'actuel gouvernement. L'escalade est abrupte.
La grille monumentale de la citadelle ouvre sur le palais construit par un Français, achevé par un Écossais pour l'ancienne reine dont les goûts étaient fastueux. Les tombeaux des rois ouvrent. Ce fut le général Gallieni, pacificateur de la grande île, ravagée par les luttes tribales, qui en transporta respectueusement les restes ici. Les vieilles cases royales au toit de chaume subsistent. Les reines du siècle dernier ne se déplaçaient qu'en trône à porteurs dont les costumes ont été conservés. Ranavalo III était fort belle et les manteaux de cour étaient somptueux. De riches cadeaux étaient envoyés aux souverains malgaches par les souverains d'Europe qui se disputaient leur confiance. L'Occident en était à l'époque des conquêtes coloniales. Ravissante aigrette, souveraine frivole, la France l'emporta et confia au général Gallieni la tâche de moderniser l'insalubre et guerroyante Madagascar. Au cours des années, la République donna à sa grande île lointaine le meilleur d'elle-même. Que ce fut avant l'indépendance récemment accordée ou après. De 1900 à 1940, la population avait doublé. Oui, la France donna tout un important équipement militaire. Une piste pour jet, la maison de la radio. Même Jeanne d'Arc. Même des chèvres mohair. Et même... des poissons rouges. Dans le sud, la France a construit sur le fleuve Mandrare un grand pont qui relie la côte de l'océan Indien à celle du canal de Mozambique. Un très grand pont, le plus grand de Madagascar. Il a fallu apprendre aux animaux et aux hommes à y passer. Rares sont encore ceux ou celles qui empruntent les trottoirs. Même l'allée centrale leur donne le vertige. Ils se cramponnent. Peut-être eussent-ils préféré, comme jadis, traverser dans l'eau, car il est difficile de passer tout d'un coup du primitivisme à la civilisation. Sans conteste, ce gars y a réussi. Il a pris le pont de la République française pour déboucher sur l'indépendance. Sous les fenêtres du palais des reines, le président qu'il s'est donné sort du palais du gouvernement malgache, celui des anciens gouverneurs coloniaux. Monsieur Tsiran va passer en revue son peuple le jour de la fête nationale. Il est salué par le chat-tigre, emblème de son parti. À son tour, il salue. Ses concitoyens l'acclament. Les traditions militaires françaises ont été transférées à l'armée du jeune État. Le président Tsiran médite, c'est un Africain des côtes. Les reines en leur palais étaient des houves qui persécutaient les siens. En 1914, ces vétérans ont combattu pour la liberté du monde qui est aujourd'hui la leur. La santé des fils, et la technique, et les arts, et les métiers.
liberté et l'unification sont acquises pour les Malgaches. Les Chinois, cependant, forment dans cette grande île, sans préjugés raciaux, un monde à part qui donne à réfléchir. Jadis les reines, hier un général et une colonie, aujourd'hui un président et une république. Dans ce monde en perpétuel devenir, un moment heureux. Cueillons les roses de la vie, les roses de la décolonisation. D'une décolonisation réussie.